Déjà, un grand merci à Raphaël et à Webasos de m'accueillir pour la troisième ou quatrième fois. Et un grand bravo parce que je trouve ça assez formidable que les associations se réunissent dans le réseau Webasos. Et je suis épatée par le nombre croissant de participants à chacun des événements. Quelques mots, donc j'ai cofondé Hello Asso, qui est une plateforme de crowdfunding dédiée aux associations. Concrètement, toutes les associations peuvent créer des campagnes chez nous, que ce soit de la collecte de dons, dont on va parler plus en détail, des adhésions, de la billetterie en ligne. On est aujourd'hui un peu plus de 4 000 associations qui utilisent la plateforme. On a collecté un peu plus de 9,5 millions d'euros. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce que c'est que le crowdfunding. Donc déjà, vous expliquer. Déjà, qui parmi vous connaît le crowdfunding? Bon, bah, je vais peut-être y aller en fait. Hein. C'est bien, les mains sont de plus en plus nombreuses à chaque fois. Donc je vais passer rapidement du coup sur la présentation du crowdfunding pour rentrer dans le détail de concrètement comment ça marche et comment une association peut mettre en place une campagne de crowdfunding. Je vais m'arrêter après sur j'irai les meilleures pratiques, quels sont les facteurs clés de succès, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête quand on lance sa campagne. Et pour ouvrir vers les innovations, ou plutôt vous expliquer bah, qu'est-ce qui se fait de nouveau en termes de crowdfunding, vers où on va, vers où on va pouvoir aller. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Peut-être pas. Ah. Alors déjà, bah, en synthèse, le crowdfunding, qu'on appelle aussi en français financement par la foule ou financement participatif, c'est une idée assez simple, c'est de réunir un grand nombre de contributeurs qui vont chacun verser des petits montants pour donner naissance à un projet. Donc pour les associations, je dirais que c'est rien de nouveau. Ce n'est pas venu avec Internet, elles ont déjà dans leur ADN le fait d'être financées de manière participative. Elles ont des donateurs, elles ont des adhérents, elles ont des membres qui participent au budget de l'association. Donc je dirais que là, Internet n'a rien inventé pour les associations. Par contre, c'est sûr que ça a permis d'amplifier cette démarche, de fluidifier aussi la participation des internautes au budget de l'association. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça apporte en plus le fait de créer une campagne de financement participatif sur Internet? Déjà, Internet, c'est un peu l'ère de l'information, c'est-à-dire que vous pouvez tout savoir sur tout aujourd'hui et de pouvoir. Ah, y a un petit souci. De pouvoir mener une campagne sur Internet, bah, ça permet d'avoir de l'information directement accessible pour toutes les personnes qui souhaiteraient en savoir plus sur votre association et éventuellement vous soutenir. C'est aussi un outil de communication qui change pour les associations parce qu'il est gratuit. Auparavant, si vous souhaitiez faire des appels à dons via la voie postale, bah, ça a un coût. D'envoyer des mailings, ça a un coût. Alors qu'aujourd'hui, sur Internet, vous avez la possibilité de communiquer gratuitement et surtout de communiquer de manière instantanée. Donc autant que vous voulez, plusieurs fois par jour. Bon, après, il faut être vigilant à ne pas lasser les gens. Mais en tout cas, vous avez à votre portée cet outil de communication gratuit. Également sur Internet, et ça, je pense que tout le monde le constate au quotidien, via les réseaux sociaux, il y a une possibilité de partage. Donc quand on aime quelque chose, on le partage sur Internet. Et on voit qu'au niveau de la solidarité, c'est vrai qu'avant, qui était un geste très intime, où on envoyait un chèque en fin d'année à une organisation qu'on souhaitait soutenir, on passe aujourd'hui à un engagement qui est beaucoup plus public, où on va pouvoir dire sur Facebook, sur Twitter, je m'engage au profit de tel ou tel projet. Donc cette notion de partage a changé. Et aussi, ça va vous permettre de renforcer en fait la proximité. Donc de dire, plutôt qu'il y ait une distance donc, qui peut être matérialisée par cette enveloppe hein, qui envoie le chèque, aujourd'hui, les personnes peuvent voir qui est votre organisation sur Internet. Sur les pages des campagnes, on encourage à mettre des photos de qui est l'équipe. Et ça crée de la proximité avec les gens qui vont contribuer au projet. La viralité, donc c'est un mot un petit peu barbare, mais grosso modo, c'est de dire que bah, un donateur, en partageant autour de lui, va pouvoir vous en ramener trois. Et aussi, les donateurs, le fait de financer un projet, donc je disais au départ, le crowdfunding, c'est vraiment des contributeurs qui cherchent à financer un nouveau projet, ça va l'impliquer plus fortement que lorsqu'il donne simplement à l'organisation. Il va se sentir plus impliqué dans le projet, ce qui veut dire que pour vous, ça peut devenir derrière un ambassadeur. Enfin, vous avez les moyens, en tout cas, de l'amener vers davantage d'implication dans votre structure. Et enfin, le contributeur, qu'est-ce qui change pour lui aussi? C'est la valorisation. C'est qu'il va être présent sur la page de la campagne. De votre campagne de crowdfunding va montrer les visages de qui a contribué, qui a permis de rendre ce projet possible. Donc, c'est tous les bénéfices de faire des campagnes de crowdfunding sur Internet. Pour vous dresser un petit panorama de où on en est aujourd'hui en France, vous voyez, là, c'est les chiffres des montants collectés par le crowdfunding en France sur les 3 dernières années. Donc ça s'arrête en 2013, donc vous voyez qu'on est sur une courbe de croissance assez exponentielle.
En 2013, 78 millions d'euros ont été collectés sur des plateformes. Et les premiers chiffres là, pour 2014, c'est rien qu'au premier semestre, 66 millions d'euros. Donc si on suit la projection logique, on est à peu près à 130 millions d'euros sur l'année 2014. Donc on voit que c'est un secteur qui est en plein boom. Il y a de plus en plus de projets qui se financent par ce biais, pas seulement des projets associatifs. Donc là, vous voyez, c'est un peu la répartition. Ça, c'est au niveau mondial, mais je pense que la France doit être à peu près représentative de cette tendance. La répartition de la typologie des projets qui se financent par le crowdfunding. En France, c'est arrivé par la musique. Je pense que vous vous rappelez de Grégoire, qui avait fait la chanson « Toi plus moi », qui l'a financée sur My Major Company. Ça a été un des premiers succès du crowdfunding en France. Aux États-Unis, c'est arrivé dans le domaine des jeux vidéo. Dans le domaine des jeux vidéo et des films indépendants, qui ont cherché à se financer. Et en fait, qu'est-ce qui est, je dirais, le dénominateur commun de ces trois exemples, c'est qu'à chaque fois, c'est des projets qui avaient une communauté qui souhaitait les voir émerger. Donc pour Grégoire, c'était les fans qui avaient découvert sur Internet et qui voulaient qu'ils produisent son album. Pour les jeux vidéo, c'était des communautés donc, de gamers qui avaient joué à la version 1 du jeu vidéo et qui tenaient à tout prix à voir sortir la deuxième version du jeu, donc ils étaient prêts à le financer. Et je pense qu'il faut garder, et ça c'est vraiment le point clé de la réussite d'une campagne, c'est la communauté. Et il faut se demander qui a envie de voir émerger mon projet. Qui est la communauté des gens sur lequel je vais pouvoir compter pour développer ce nouveau projet. Alors, on a parlé un petit peu des projets, des chiffres. Juste pour vous expliquer, notamment sur le chiffre des 80 millions d'euros, il faut savoir que ça se présente sous différentes formes. Il y a trois types de financement participatif qui existent, enfin trois modes, je dirais, d'implication dans le projet. Le don, qui va nous intéresser plus spécifiquement aujourd'hui et qui concerne les associations, mais pas que. Les prêts. Donc on peut aussi prêter à une entreprise par du crowdfunding. Plutôt que de faire appel à une banque qui va prêter 200 000 euros, on peut chercher 2000 personnes qui ont chacune donné 10 euros. Et l'equity, où là, on va prendre des actions dans l'entreprise. Donc nous, on va se concentrer exclusivement sur le don, et le don qui peut être avec ou sans contrepartie. J'aurai l'occasion de revenir sur la notion de contrepartie. Après, tout type de projet, je vous le disais, se finance sur des plateformes de crowdfunding. Et ça, c'est relativement nouveau. C'est vrai que de faire un don à une entreprise, il y a quelques années, ce n'était pas forcément dans l'imaginaire, je dirais, collectif, où le don était plutôt réservé aux associations. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une nécessité aussi pour les associations de s'emparer un peu de ce nouvel outil, de cette nouvelle méthode, parce que d'autres structures sont en train d'y aller. Donc on n'a pas de recul aujourd'hui pour savoir si il y a une cannibalisation entre les dons qui sont faits à des entreprises via du crowdfunding et les dons que faisaient les particuliers auparavant aux associations. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une attente aujourd'hui du public sur ce mode de financement. Donc il faut que les associations offrent aussi cette possibilité-là à leurs sympathisants. Après, sur la conservation de la propriété intellectuelle, c'est que c'est plus trop retenu aujourd'hui. C'est-à-dire que quand Grégoire, par exemple, a fait son album, il y avait la question, est-ce que les actionnaires deviennent en quelque sorte détenteurs du label et toucheraient des dividendes? Mais ça a été complètement abandonné sur la plupart des plateformes. Après, les plateformes peuvent mettre en place une sélection des projets, donc accepter certains types de projets ou non. Nous, sur Eloasso, on a restreint cette sélection au statut juridique. C'est-à-dire que c'est des associations, des fondations et des fonds de dotation. Et toutes les autres structures ne pourront pas se financer sur notre outil. Mais ça peut être aussi un filtre thématique. Et après, il y a d'autres, et les deux dernières, je pense, sont des points clés dans le choix de la plateforme que vous utiliserez pour votre campagne. C'est la règle du tout ou rien. Concrètement, la règle du tout ou rien, c'est vous dites, je cherche à financer un projet, j'ai un objectif de 5 000 euros. Qu'est-ce qui se passe si j'atteins 4 000 euros? Donc sur la majorité des plateformes, je dirais généralistes, la règle est que les contributeurs sont remboursés et vous, porteur de projet, vous ne touchez rien. Et ça, ça a essentiellement pour but de protéger le contributeur lorsqu'il finance le projet d'un individu. Par exemple, si moi, demain, je lance une campagne de 10 000 euros parce que je pars faire le tour du monde pour filmer des entrepreneurs, si je collecte 800 euros, les gens peuvent légitimement se demander ce que je vais faire de l'argent, parce qu'a priori, je ne vais pas partir autour du monde. Donc nous, sur Eloasso, on a choisi de ne pas mettre en place cette règle parce qu'on ne finance que des structures. Donc dans tous les cas, l'argent va à la mission de l'association et charge à l'association de communiquer auprès des contributeurs pour expliquer ce qu'elle va faire de l'argent, ce qu'elle pourra ou ne pourra pas faire. Et enfin, il y a le modèle de tarification. Donc la plupart des plateformes généralistes, encore une fois, pratiquent un commissionnement. Donc si vous réussissez votre campagne, ils vont prendre une commission entre 8 et 10% de ce que vous avez collecté. Il peut y avoir aussi des frais fixes, frais bancaires, etc. Et l'Oasso fonctionne au pourboire, c'est-à-dire que 100% des montants vont être reversés à votre association. On ne touche pas aux dons et on propose aux contributeurs de laisser, s'ils veulent, en plus un pourboire pour la plateforme. Et ça paraît toujours un petit peu énigmatique. En fait, ça fonctionne très bien. 60% des gens laissent effectivement un pourboire. Oui. Qu'est-ce qui se passe si on met 5 000 et
8000 ? Ah bah tant mieux. Et d'ailleurs, beaucoup des campagnes, c'est rigolo parce qu'il y a vraiment un effet, quand la campagne réussit, auprès des internautes, il y a un côté « moi aussi, je veux en être ». Donc quelque part, quand il y a un succès, ça encourage encore plus les gens à donner. Et on voit généralement que les campagnes qui atteignent l'objectif le dépassent. Oui, pardon. Tout à fait. Alors, il y a quand même le reçu fiscal, il faut faire attention avec la notion de contrepartie. Donc, c'est de dire si votre projet se prête à l'envoi de contrepartie aux donateurs. Je vais prendre un exemple, si vous souhaitez réaliser un spectacle, une production culturelle, vous pouvez donner comme contrepartie des places pour ce spectacle, par exemple. Vous pouvez aussi choisir de donner comme contrepartie des reçus fiscaux, si vous êtes habilité à en émettre. Il faut juste être vigilant sur de ne pas combiner les deux si la contrepartie en question a une valeur marchande qui est supérieure à 25% du montant du don. Donc généralement, nous, on conseille aux associations, si elles ont la possibilité d'offrir quelque chose de matériel, c'est incitatif pour le donateur qu'elles le fassent. Si par contre, les contreparties sont non matérielles, donc ça peut être de l'ordre de... ça peut être symbolique, ça peut être honorifique, ça peut être une expérience de venir rencontrer des membres de l'association, à ce moment-là, la déduction fiscale est clairement aussi un levier incitatif pour encourager à donner. Et il faut pouvoir le proposer sur les campagnes si on a la possibilité de le faire. Alors concrètement maintenant, comment ça marche? Okay. Alors, il y a trois étapes en fait quand on souhaite lancer une campagne de crowdfunding. La première, et qui est certaine, ouais, non, elles sont toutes importantes en fait, à égale mesure. Donc la première, c'est de préparer sa page de campagne. Donc vous allez mettre en place une page sur une plateforme où vous allez expliquer quel projet vous souhaitez financer. Je vais revenir après sur le détail. Ensuite, vous allez communiquer et mobiliser votre communauté. Il faut savoir que le crowdfunding se base sur une méthodologie qui est de gérer un cercle viral où vous allez essayer de faire un effet boule de neige à partir de vos contacts. Je vais y revenir. Et enfin, c'est de suivre et animer sa campagne dans toute la durée. Donc de ne pas dire on a mis la page, on a fait un email et maintenant ça ne fonctionne plus. C'est normal, il faut animer la campagne pendant toute la durée. Donc concrètement, pour préparer votre page de campagne, la page elle répond à trois objectifs. Le premier, c'est déjà de présenter le projet. Le deuxième, ça va être d'impliquer l'internaute, qui sente qu'il a la possibilité aussi d'y participer, que ça lui donne envie. Et la troisième, ça va être de motiver au don. Et donc déjà, pour présenter le projet, et ça c'est impératif, vous allez définir un nom pour votre campagne. Donc la campagne ne peut pas s'appeler « opération de collecte au profit de l'association Intel en vue de réaménager telle ou telle chose ». Non, parce que l'intérêt, c'est que les gens puissent en parler autour d'eux et dire « tiens, j'ai participé à telle campagne ». Et limite, aussi, si vous passez sur une radio qui est arrivée pour certaines des campagnes qui sont sur le site, que vous puissiez énoncer le nom de la campagne, soit quelque chose de mémorisable, d'assez court, et qui puisse fédérer voilà, la communauté autour d'eux, mais que ce ne soit pas un appel à don. Non, 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 non. La deuxième chose, c'est d'avoir un visuel pour votre campagne. Il faut une image qui la caractérise. Et ça, c'est uniquement... Enfin, pas uniquement. Déjà, c'est plus sympathique pour les internautes qui vont découvrir la page. Et surtout, quand ils vont la partager sur les réseaux sociaux, quand vous faites une publication sur Facebook, ça marche mille fois mieux lorsqu'il y a une photo. Donc pour ça, il faut qu'il y ait un visuel qui accompagne aussi votre publication sur la campagne. Et là, il ne faut pas hésiter à marteler un petit peu le même visuel. Comme ça, ça imprègne aussi dans l'esprit des gens. Ça donne aussi une identité à la campagne. Ça montre que vous avez un petit peu travaillé votre message, que vous avez travaillé ce projet. Donc un visuel. Et aussi, dans cette notion de présentation, de mettre en avant les porteurs du projet. Donc les membres de l'association qui vont exécuter le projet en question, qui ont travaillé sur l'élaboration du projet. Ensuite, vous allez présenter de manière détaillée le projet. Vous n'allez pas hésiter à rajouter toutes les informations dont vous disposez. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille très bien l'accroche, donc ça veut dire les cinq premières lignes de la page de la campagne, mais après, on conseille aux associations de rajouter des informations pour rassurer les sceptiques. Donc même si vous avez voilà, des détails sur le projet, si ça traîne un peu en longueur, ce n'est pas très grave, parce que certains vont peut-être trouver l'information qui les bloquait jusque-là pour financer le projet. Et enfin, c'est conseillé d'avoir une vidéo. Je ne dirais pas que c'est impératif, mais c'est conseillé. Et là aussi, tout le monde peut le faire. Si vous avez un smartphone ou une personne autour de vous qui a un smartphone, vous pouvez faire très simplement une vidéo face caméra du porteur de projet qui explique en quoi va consister le projet. Un format très court, moins d'une minute, mais c'est beaucoup plus parlant pour un visiteur qui arrive de voir quelqu'un lui raconter que de lire soi-même le texte. Et donc après, vous pouvez faire aussi une petite mise en scène avec des membres de l'équipe pour que ce soit un peu jovial, voilà, être plusieurs à parler sur la vidéo.
vidéo, mais il n'y a pas besoin d'avoir forcément des moyens techniques très élaborés, énormément de compétences, vous pouvez le faire vous-même. Après, tout dépend aussi de la communication que vous faites sur votre association. C'est vrai que si vous avez une communication très institutionnelle, qui est déjà assez bordée et tout, bon, bah, peut-être la vidéo iPhone qui tremble un peu, ça passera moins. Donc il faut trouver un intermédiaire. Et enfin, pour motiver le contributeur, donc là, vous allez définir un objectif. Donc l'objectif de collecte, ça paraît tout bête, mais le fait d'avoir une jauge, de voir la progression, de voir qu'on atteint presque l'objectif, bah, ça encourage les gens à donner. Vous allez définir une date de fin, donc un peu la date butoir à partir de laquelle ils ne pourront plus participer. Et les campagnes durent nécessairement entre 1 et 3 mois. Donc après, sur la durée, comment fixer la durée de votre campagne, ça va dépendre de l'objectif financier que vous cherchez à atteindre. Si vous cherchez à collecter 5 000 euros, vous pouvez le faire en un mois. Si vous cherchez à collecter 70 000 euros, ça va être plus compliqué en un mois. Il vaut mieux à ce moment-là partir sur une durée plus importante. Et aussi, pour déterminer la date de fin et même quand se déroule votre campagne, vous pouvez déjà tirer parti d'événements extérieurs. Par exemple, on a une association qui a créé une campagne là, pour la Coupe du monde de foot des personnes amputées et qui l'a fait au même moment que la Coupe du monde de foot à Rio pour interpeller les journalistes. Et pour dire, il n'y a pas que le foot à Rio, nous aussi on fait des projets parce que bah, voilà, ça collait à l'actualité. Après, s'il y a des événements marquants dans votre association, il faut les inclure dans votre campagne de financement. Ce sera autant d'appels pour eux. Et enfin, les contreparties, donc là aussi matériel, si vous avez des choses à donner. Après, inutile de produire des t-shirts, des goodies et envoyer aux contributeurs. L'intérêt, c'est quand même de vous financer par ce biais, donc il ne faut pas que ça vous coûte plus cher que ça ne vous rapporte. Mais plutôt de privilégier même des expériences de bénévolat. On a fait une campagne pour le financement d'un camion pour la banque alimentaire. Et la contrepartie la plus importante, c'était pour un don de 500 euros, c'était de venir passer une journée à faire la tournée avec les bénévoles dans le camion. Et la banque alimentaire m'a dit, bah non, mais ils donnent déjà de l'argent, on ne va pas en plus leur demander de donner du temps. Et au contraire, c'est une contrepartie qui a super bien fonctionné. Il y a 8 personnes qui ont choisi ça, donc sur 120 contributeurs, alors que c'était 500 euros. Ils ont été très impressionnés. Et en fait, les gens ont envie d'une expérience qui les sort de leur quotidien. Ils ont envie d'aller voir un petit peu l'envers du décor, de voir ce qui se passe dans les associations, de vivre quelque chose de nouveau. Ils n'ont pas forcément l'opportunité d'entrer en contact avec le monde associatif autrement. Désolée, je commence à parler très très vite, mais j'en suis à peu près au milieu. Oui. Pas forcément. En fait, ça dépend. Certaines associations n'ont pas d'adhérents, donc auquel cas les donateurs ne sont pas adhérents. Après, il peut être proposé aussi, parmi les contreparties, d'avoir l'adhésion à l'association. Que ça puisse de coupler en fait, la campagne de financement avec la campagne d'adhésion. Mais sinon, pas nécessairement. Et il peut aussi y avoir une campagne d'adhésion distincte, où on va là recueillir les adhésions des adhérents, et après avoir une campagne de don pour financer un projet qui sort peut-être un petit peu plus de la mission courante de l'association. Alors, une fois que vous avez défini votre page, et ça, c'est l'étape la plus critique, vous allez mobiliser autour de vous votre communauté. Il faut savoir que la campagne de financement participatif, il y a une idée reçue qui est « je mets la page sur le site et magiquement, les dons vont affluer ». Alors, désolé, je vais lever le voile là-dessus, mais le comportement du donateur qui se balade sur notre site avec son billet de 50 euros en disant « à qui vais-je donner aujourd'hui ?», il n'existe pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Les gens viennent directement par les pages des associations. Il faut savoir qu'il y a un don sur deux qui est fait sur la recommandation d'un ami. Donc, il y a vraiment un pouvoir très, très fort de recommandation de pair à pair. Donc, vous, ce que vous allez faire, c'est mobiliser en premier lieu votre cercle proche, donc l'entourage proche de l'association, qui peut aussi être votre entourage personnel, parfois à vous, porteur de projet. Donc, ce n'est pas exclu. Voilà, de mobiliser vos amis, votre famille pour être les premiers contributeurs. Ces premiers contributeurs sont absolument nécessaires. Ils doivent donner dès le lancement de la campagne parce qu'en fait, ils ont un double rôle. C'est déjà de faire augmenter un petit peu la page de collecte. Et donc là aussi, on ne communique pas sur les réseaux sociaux sur une page à 0 euros. Une fois que vous avez créé votre page, vous ne la publiez pas sur Facebook et Twitter parce que sinon, on se dit, les gens voient ça et se disent « Ah ouais, donc même les gens qui connaissent bien l'association n'ont pas donné, il y a un loup ». Il y a quelque chose. Donc d'abord, vous communiquez par des canaux privés, par email. Essentiellement, vous allez toucher votre cercle proche, les membres actifs de l'association, les bénévoles actifs, même s'ils font que des petits dons. Et on a besoin de ce premier soutien. Léa, ouais. Est-ce qu'on peut se donner 5 minutes ? 5 minutes, ça marche, pas de problème. Merci. Ensuite, l'entourage éloigné. Donc là, grosso modo, c'est toutes les adresses mail que vous avez en votre possession. C'est vos communautés sur Facebook, sur Twitter. Si vous n'avez pas d'adresse email, d'abonné newsletter, etc., je sais que Vanessa de Change a parlé avant, de créer une pétition peut aussi être un bon moyen d'avoir voilà, des premiers sympathisants que vous pouvez ensuite recontacter dans le cadre d'une campagne de don. On voit qu'il y a beaucoup de synergies entre les campagnes de financement participatif et les campagnes de pétition. Là, vous les touchez par tous les canaux que ce soit, donc sur les réseaux sociaux, etc. Et ensuite, pour toucher le grand public, donc l'intérêt, c'est qu'aussi,
toutes ces personnes-là qui vont venir sur la plateforme, nous, dès qu'ils ont donné, on leur dit en gros, partage avec tes amis. Donc on va les encourager, eux aussi, à viraliser la campagne. Ils reçoivent un mail qui les encourage à partager. Donc l'idée, c'est que nous, notre responsabilité en tant que plateforme, c'est de faire en sorte justement que les donateurs en amènent d'autres, qui partagent autour d'eux. Et enfin, pour toucher le grand public, là, vous pouvez vous baser sur des prescripteurs. Donc, des prescripteurs, ça va être vos partenaires entreprises qui peuvent faire un post sur leur page Facebook, les médias qui peuvent aussi relayer l'appel, tous les personnes voilà, qui ont des communautés sur Internet. Donc, je sais que des collectivités parfois proposent « Ah oui, on va vous mettre dans le journal de la ville, papier. » Bon, c'est bien, c'est de la visibilité, mais ça ne transforme pas du tout. Donc, il vaut mieux qu'ils fassent un post sur Facebook, qu'ils vous mettent sur le site de la ville, parce que là, les gens n'ont plus qu'à cliquer. Et donc, je vous ai mis en dessous à peu près les... Ah non, j'ai pas mis les montants. Pour vous donner un ordre d'idée, l'entourage proche, ça représente 10% de votre objectif. L'entourage éloigné, ça dépend de la notoriété de votre association. Ça va être entre 30 et 70%. Et le grand public, c'est-à-dire les gens que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, ça représente le reste, qui vous permet d'atteindre l'objectif. Mais c'est absolument essentiel d'avoir une communauté de départ si vous souhaitez lancer l'association. Une association qui se crée, qui dit « bah non, on a 10 personnes autour de nous, par un cercle social, bah, ça va être très très compliqué ». Oui, dans ce cas-là, il faut partir sur un petit montant. Un petit montant qui permet de créer justement cette première petite communauté qui va financer un micro-projet de départ. Ensuite, vous animez votre campagne tout au long de sa durée. Donc ça peut déterminer aussi la durée de la campagne, c'est-à-dire si vous partez sur une durée de 3 mois, ce qui veut dire que 3 mois, vous devez grosso modo en parler tous les 3 jours. Donc il faut savoir qu'il va falloir animer, ça veut dire remercier ceux qui ont donné, les encourager à partager, donner des nouvelles sur l'avancée de la collecte à tout le monde, relancer ceux qui n'ont pas encore donné, mais en tout cas être actif toute la durée de la campagne. Quelques bonnes pratiques, donc là vous voyez un exemple d'une page très documentée, donc n'hésitez pas à mettre les logos des partenaires que vous avez déjà, la carte de déploiement du projet, une interview qu'on a fait à la radio pour parler du projet, une vidéo qui présente ce qu'on fait, par exemple, un message clair et mémorisable. Donc là, vous voyez la campagne du lait pour les enfants syriens. C'est facile, on s'en rappelle. Il y avait le petit visuel aussi qui a permis de communiquer très facilement sur les réseaux sociaux sur la campagne. Désolée, je vais à toute allure, hein, mais moi, je ne me comprends plus. Voilà, les slides seront effectivement mis à disposition. Mais... donc là, voilà un exemple avec des contreparties. Donc là, c'était pour la publication d'un livre blanc sur l'entrepreneur engagé. Bah, les contreparties, c'était une édition, enfin un exemplaire de ce livre blanc en question. Et enfin, donc là, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais c'est une association qui a été très très drôle dans ses contreparties. Et c'est vrai que moi j'aime bien rappeler que l'humour est la plus petite distance entre deux individus, et n'hésitez pas à être très optimiste sur la page. On n'est pas dans une communication institutionnelle que peuvent avoir les associations sur d'autres appels à dons. Là, on est vraiment sur quelque chose d'assez optimiste. Et si vous, en plus, il y a des gens qui sont un peu drôles dans votre équipe, ça peut valoir le coup de mettre des petites blagues, et on constate que ça marche hyper bien. Après, comment vous pouvez aller plus loin? Je vais passer sur cet exemple. On voit de plus en plus d'associations qui vont mobiliser en fait, des collecteurs. Et là, on va encore plus loin dans cette notion de proximité. Donc, qui est de dire, de, plutôt que donner à une association, je vais donner à mon pote qui est en train de collecter pour cette association parce que j'ai envie de l'encourager dans le défi qu'il est en train de mettre en place. Ça s'est démocratisé beaucoup avec les événements sportifs. Je vais courir le marathon, je collecte au profit de telle association. Je pense que pour une association, c'est très intéressant pour vous de pouvoir mobiliser des collecteurs parce que justement, eux aussi vont faire ce travail des deux cercles. Ils vont communiquer au début auprès de leur entourage proche, que vous, vous n'êtes pas en mesure de toucher. Après, ils vont contacter leur entourage éloigné et vous, ça vous permet de toucher des nouveaux donateurs. Donc là, vous pouvez aussi créer, soit sur la base d'un événement, mais même pas nécessairement. Là, on est en train de le mettre en place juste sur une campagne. Donc vraiment, c'est une campagne de financement, mais où la participation d'une personne, ce n'est pas de donner, c'est de collecter. Et donc, les gens s'engagent à collecter. L'idée, c'est de recruter 50 collecteurs qui vont parvenir à collecter chacun un montant entre 300 et 500 euros pour la campagne. Donc les ambassadeurs, ils peuvent être de tout type. Vous voyez, il y a une page là, que j'aime bien, Lilian, 11 ans, qui a collecté 1000 euros parce qu'il allait courir pour l'étoile de Martin. Ça peut être des familles, ça peut être des entreprises. Et je pense qu'il y a beaucoup de synergies à trouver entre les entreprises et le crowdfunding. Ça commence à venir. Donc là, vous voyez, c'est une campagne. Il y a une entreprise qui a fait en fait une sous-campagne pour cette campagne où elle a mobilisé ses salariés. Et donc, c'est d'avoir une page qui explique bah, pourquoi l'entreprise s'engage. Les logos de... Là, c'est un groupe d'entreprises qui s'appelle PAI Capital, qui soutient cette association. Bah, ils ont mobilisé aussi, ils ont collecté 10 000 euros auprès de leurs salariés au profit de cette campagne de l'association. Là, c'est une association qui avait mis en place une logique d'abondement. Donc, elle disait sur sa page, bah, dès que vous donnez 10 euros, une entreprise va elle-même donner 10 euros. Donc, au final, c'est 20 euros remis à votre projet. Ça fait un effet de levier pour l'entreprise qui se dit que bah, son mécénat va voilà, permettre d'encourager des dons. C'est incitatif pour le donateur parce qu'il a l'impression de donner plus. Enfin, en tout cas, qu'il a un impact plus fort dans son don. Et en plus, c'est valorisant pour l'entreprise qui cherche à faire connaître qu'elle fait des actions bien. Donc ça, ça s'est fait un peu de gré à gré sur notre plateforme. On est en train de le mettre en place de manière plus structurée pour que les entreprises puissent aussi s'impliquer sous forme d'abondement sur les campagnes.
Et voilà, je vous remercie pour votre écoute.